en tant que femme et journaliste, quelles sont les mesures de sécurité que vous avez prises pour voyager en Afghanistan ? Alors, les mesures de sécurité, c'est en fait les mêmes pour les hommes et les femmes, puisque on vaut le même pesant d'or pour les talibans qui seraient tentés soit de nous kidnapper pour monnayer notre libération et pour financer leur guerre, ou alors seraient tentés éventuellement de nous tuer pour se faire de la publicité sur la scène internationale. Donc voilà, alors maintenant les méthodes sont différentes. Nous, on a pris l'option la plus efficace à mon avis, qui était de se fondre dans le paysage, donc se déguiser en afghan. Donc mon caméraman s'est déguisé en afghan et s'est fait passer pour un sourd et muet. Et moi, j'ai porté la burqa, qui est quand même, même si idéologiquement je suis contre, c'est quand même un outil de camouflage extrêmement efficace. Donc justement, la burqa, les femmes dans le documentaire disent que c'est un choix de porter la burqa, tandis qu'un autre protagoniste dit qu'elles le font parce qu'elles ont peur. Que pensez-vous ? Alors, je pense que c'est les deux. C'est-à-dire que la burqa, pour les Afghanes des campagnes, ce n'est pas du tout la priorité. C'est-à-dire que pour elles, c'est là, sans doute qu'un jour ça changera, elles ne le nient pas. Mais ce n'est pas leur combat premier. Leur combat premier, c'est nourrir leurs enfants, enfanter sans en mourir, avoir des routes, avoir des produits alimentaires accessibles, avoir un hôpital qui fonctionne gratuit. Enfin voilà, c'est ça qui est important pour elles. Et comme pour tous les Afghans d'ailleurs, voilà, la burqa, c'est contrairement à ce qu'on peut imaginer de l'Europe, ce n'est pas du tout leur priorité. Qu'espérez-vous aujourd'hui avec votre film ? Alors j'espère que ce film est là pour vous, pour les lecteurs, pour les téléspectateurs, pour tous ceux qui s'intéressent à l'Afghanistan et qui pensent pouvoir assumer la part de responsabilité qui est celle de tous les citoyens, de tous les pays qui sont présents en Afghanistan aujourd'hui, que ce soit militairement ou humanitairement. Je pense qu'on a tous une petite part de responsabilité, donc on doit réfléchir. Et ce qui serait bien aussi, c'est que ce film serve éventuellement à donner l'envie à des gens, des citoyens, des communes, des associations, de faire des projets avec ce village-là ou avec d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que ce village-là, pour aider les Afghans. Je pense qu'il y a un vrai besoin, il y a un vrai désir, il y a une vraie ouverture, et que c'est pas parce que les troupes militaires s'en vont en 2014 qu'on doit oublier les Afghans.